Hello, tout le monde, comment que vous allez aujourd'hui, vous autres, ma gang de malades? Bonsoir bien comme d'habitude, nouvel épisode des Sims 4! Ça va les filles? Ça va toi? Ça va Arboni? Ça va Juicy Fruit? Ça l'a le genre de petite fille qui préfère les petites filles. Je <laughs> dois peut-être changer sa coupe de cheveux. Bon, aujourd'hui, aujourd'hui, on continue nos aventures. Catherine Katrina Pitcha qui travaille, elle, elle travaille pas encore, elle est pas partie à l'école. On appuie sur play et on admire les choses. Euh, c'était quoi tes besoins toi, et Harmony? Finir de lire trois livres. T'en as deux de fait. Tu travailles dans combien de temps? Là, les tutos sont revenus. Parce que j'ai un problème. J'ai joué à... Euh, le CIM, dans une autre partie. Euh, Puis, il y a eu un petit bug. Il a fallu que j'efface certains fichiers de configuration. Puis là, depuis que j'ai fait ça, les tutos sont revenus. Ah. Grrr. Grrr. Chuck, il, il est pas content, Chuck. Ok, travaille dans deux jours. Ok, bon, euh. Je sais quoi j'ai dit. Wow. Focus, Chuck, focus. Fort, focus. Euh, Attaque niveau 3, la compétence logique. C'est ça que je suis en train de faire avec elle parce que je suis en train de jouer, n'est-ce pas? Tiens, parle à ta soeur. Non, 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 tu t'en vas pas là. Pourquoi tu vas aller là? J'ai cliqué sur elle. Bon. Tiens, fais un beau compliment à ta sœur. sont tu pas gentils ces ça, là, ils s'entendent bien. Laisse faire le tuto. Laisse faire le tuto. Je vais tuer quelqu'un. Chuck, il, il est pas content, Chuck. Il est pas content des tutos. <laughs> Merde, qui sont emmerdants, ces tutos-là. Rink a Moi, je veux me okay. trouver un homme qui a une voiture rouge. Moi, moi, moi j'aime l'argent. Typique. Ça monte-tu les compétences? Euh, bricolage, a, comédie, cuisine, écriture. C'est logique. Ça monte. Il faut se rendre au niveau 3. Monte pas vite-vite. C'est euh, pas grave, au moins ça monte. Qu ce qu'ils font eux autres Je vais lui faire des babayes. Toi, tu fais-tu des babayes Bonjour. Jeune adulte. Hein? C'est quoi son nom Je veux se faire sûr que. Stéphanie Bernard. On y a déjà parlé. Ok. Ah, c'est un ami. À... Ah, c'est l'ami à elle. Ah, ben. Peu importe. Là, elle, il faudrait lui faire trouver un mari. Je pense qu'on va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Euh. Qu'elle déménage, puis qu'elle vive par elle-même, puis qu'elle apprenne, puis qu'elle qu fonde son propre foyer. Garde, tu oui, vois, elle parle de déménager déjà. Fait que ce qu'on va faire. Oh, t'as faim, fait qu'on va te faire manger avant de partir. Ouvrez. Prends un morceau de ça. Ok, c'est assez sec, c'est assez par à ta sœur, faut pas exagérer non plus. Vous entendez bien comme ça, ils s'entendent bien là, mais faut pas exagérer non plus, hein? Une petite compétition. Pourquoi tu as plein de livres, là? Toi, euh... Juicy Fruit, ça te tente, tu tas fait tes devoirs? Ils sont au que oui. T'as faim, toi aussi? Je suppose qu'il y a rien à manger, là. L'après-dernière portion... Non, il y en a encore! Génial! Let's go, Harmonie! Mange! Faut te trouver un mari que tu puisses déménager, puis euh, c'est ça. <laughs> Voler tes propres ailes. Pas de misère d'être trouvée un mari pour cette fille-là. Elle est je m'inquiète un peu plus, par exemple. <laughs> tu compris? Ta soeur est plus belle que toi. Toi, là, t'es es, es une déception. Tu, tu me déçois. <laughs> C'est des blagues. Ok. Qu'est-ce euh, que ça a à côté bof? Quasiment énergie hein, vessie. On va l'envoyer faire pipi au moins avant de partir. Pis là, on sait que la meilleure place pour trouver un homme, c'est dans un bar. Fait qu'on va aller dans un bar. <laughs> c'est là que les meilleurs hommes se tiennent. Hein? Uh -huh. Avec une bière dans les mains, une fesse dans l'autre main. Ça, c'est le type d'homme que Harmonia cherche. C'est qui? Ah, cest Kelly Light. Je connais pas. cest un enfant à Chuck qui. T'as connais-tu tout, Juicy Flou? C'était-tu une de tes amies? Ah, c'est une de tes amies, mais là, c'est un enfant. Euh, juste faire sûr. option du jeu. Gameplay. OK, c'est ça. Oui, ils sont supposés vieillir. OK. Et nada. Quoi? T'as la vaisselle sale? Ben, nettoie-la, la vaisselle. Come on. Puis, dis allô à Bertrand. Allô, Bertrand. Ça va aujourd'hui? Ouais. Sacrée belle grenouille. Je suis fier de ma grenouille. J'ai jamais vu une si belle grenouille de ma vie. Bon, toi t'as fait pipi, tout ça T'as te... pas fait de pipi. Ah, mauvais sim. Euh, on va regarder un petit cellulaire. On va proposer encore quelqu un quelqu'un. Discuter avec. Euh... On va voir dans notre social ici. Ouh, ce sera pas Cassandra, mais Cassandra. Non, je veux avoir les petits enfants, il faut que ce soit un homme. Harley! Hey, ah, okay, qu'un comme Harley. Oh non, on avait regardé Harley, puis lui, c'est une tête enflée, c'est un douche. Jonathan, il l'aime pas pantoute. Matt! Matt, -tu bon c'est un autre crasseux. Non, non, ça c'est. Ah, Matt Vaux, mon Dieu, non, non, pas lui. Ça c'est Lucas, elle l'aime pas pantoute. Bon, ça là, il va falloir trouver un autre mari potentiel que ceux-là parce que hein, c'est pas fort hein c'est pas terrible ce qu'il y a sur euh, le téléphone à mon à ma petite fille let's go on va les trouver on devrait aller au musée ou quelque chose dans ce style là ou aller frapper aux maisons de riches ah oh, c'est ça j'avais fait la dernière fois on pourrait aller ça c'est la famille Got lui on pourrait se dire lui il pourrait laisser sa femme Mais où sa femme elle n'existe plus Ben, peut-être qu'il y a besoin... Non. Ben. Non, non, on va trouver une autre mari. Je sais pas si je check les maisons, là. Elle, c'est une fille. Une autre fille puis un gars. Ça, je pense que c'est ses enfants, à elle. Il n'y a pas de gars, là. Ici. J'avais regardé, hein. Je pense, que la dernière fois, ça se peut-tu... Ça, c'est deux demoiselles avec un enfant. Ça, c'est une demoiselle toute seule. Ça, ah, ouais, j'avais regardé la dernière fois. Ok, on va aller dans un bar. Non, pas dans un bar. On va aller. Euh... Oh, on va aller dans un bar. C'est là qu'on va trouver l'âme sœur. L'âme sœur. Yeah. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais que chose, quelle chose, que chose, que chose, que chose, chose. Je l'ai fait, C'est quoi l'autre chanson qui est bonne? Vous autres en Europe, vous allez la connaître peut-être mieux. Euh... Bon, je m'en souviens plus. Je <laughs> chante pas moi. C'est tu bon cette chanson là? Hein? Vous avez apprécié? Ah, c'est quoi? Euh... Oh, oh, Champs Élysées. Sous le soleil, sous la pluie. Au soleil, sous la pluie. À midi, à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Je pense que c'est ça. Hein? OK. Euh, y des mecs. Il y a juste des femmes ici. Hmm. OK. Oh, comme lui. Il a pas de l'air content, mais c'est un homme. Euh, il y a de l'air d'indouche. Case. Ah, c'est Case. Ah, lui, bien, par exemple. Je l'ai dit, Zach Keenan. Ok, tu vas aller faire connaissance de Zach Keenan. Et où Harmonie? Si tu... ah non, c'est pas... <laughs> harmonie, Harmonie, Harmonie. Viens voir Zach Keenan. Présentation amicale. Il appelé quelqu'un au téléphone. Bon, on fera ça plus tard. Ah il fait connaissance de ce monsieur Zach. Il paraît bien, beau petit bonhomme. Il a d'une bonne famille. Complimenté sincèrement. Il danse mal, mais ça... Il était attiré aux hommes qui dansent mal parce que son père dansait mal, puis c'est ça. Il est concentré. Il est tout concentré. Il danse. pas le de pas le temps, de rire, pas le temps de du fun. Il est concentré sur sa danse. L'esprit de la danse l'envahit. Boucha. qua dit. Ah, il est à soeur le grand. Viens me payer un drink. Hein? Conversation profonde. Il nous faut faire connaissance. Je vais apprendre ses traits de caractère. Non, je ne vais pas danser avec lui. On va demander comment était sa petite journée. T'aimes-tu les étoiles? Ce qu'il dit, c'est tes yeux sont comme une nuée d'étoiles. Fais connaissance. Euh, Créatif. Bon, c'est parfait. Elle est tout est créative. Elle est. Elle est quoi exactement? Je ne me souviens jamais. Elle a déjà inspiré... Ok, c'est un artiste, c'est vrai. À peinture. À peint. peint. Je ne dirais pas à peinture parce que les peintres vont m'arracher la tête. Il est méchant. Oh. Mais bon, on fait une croix sur lui. Ah, lui. Eric Lewis. Lewis, viens ici, Lewis. Il était. Il était à mon Lewis. Il était. Il était assis sur les jambes, ma papa. Viens t'asseoir assis sur les jambes, mon oncle. Mon oncle, il va s'occuper de toi. <laughs> le vieux, mon oncle cochon. Une grosse voix. Il n'y a pas beaucoup pas de cheveux là, mais... C'est pas grave. Hein? Ça y enlève rien. Il est en jour l'heure, on se calme, on se calme. Là, t'es avec ma fille en ce moment. Fait que c'est ça. Garde ça dans tes culottes, mon grand. C'est quoi aujourd'hui? Bonjour. Si les deux pouvaient avoir des enfants ensemble, je serais pour une femme. Flirter <laughs> avec un homme, ça. Il y a quelque chose de pas naturel pour moi. Quelque chose de... Ok, compliment sa tenue. Euh, glouton. Il n'y a pas de bons hommes? Es-tu juste des. des, des, des euh. Oh! euh puis, conversation profonde. Tu t'en vas, le grand? Euh, je t'ai pas ah, dit Frigé! que tu fais t'en aller, là? Assis-toi, assis ton arrière-train, là, là? Ah, ah. <laughs> Mal, ma fille. De galpe, où Matérialiste. Oh, <laughs> okay. Bon. Juste des losers ici. Toi, toi? Toi, t'es quoi? Oh elle l'aime pas pantoute. tout. Ben, on faudrait apprendre. Je peux sur pause une seconde avant qu'il se sauve. C'est quoi ces traits de caractère S'il y a des bons traits de caractère, on pourrait peut-être inconnu, inconnu, inconnu. Hmm. Ok on va. Waouh oui. ça vraiment pas. On va le complémenter. complémenter. Wow. On va le complémenter. Dag dag. Je suis d'accord avec toi. C'est qui elle Hélène Masson. Alors oh, c'est un ado. Next. Pis puis là, je pars avec Chuck. C'est Chuck qu'il faut... Euh... Ah, qu'il qu faut euh, regarder les demoiselles. Elle, on y trouve un homme. Bon, tu vois, ici, c'est pas tant que ça. Et voilà, allumer sa journée. Ça va prendre deux secondes. Il pourra pas me résister. Je suis ir irrésistible. Oh. 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 Garde mon sourire. <laughs> Ah, ha! la chose, là, regarde ma belle casquette! Ouh. Connaissez-vous Connaissez-vous Freddy Krueger? Freddy Krueger? Euh, Nightmare on Elm Street, c'est quoi en français? Tu sais, c'est le monde quand ils sont endormis, ils viennent tuer le monde dans leurs rêves. il y a des griffes là, puis un chandail comme ça. Bon, ouais ben, ça y est, ma copine... Ma, ma, ma copine noire. Wow. Ma fille, elle, ouais. elle flirte avec Freddy Krueger. Tiens, commence à se battre! Mm. Fais attention mec, parce que oh, je suis oh, sûr que ma, ma, ma fille est capable de t'en... Bon, ça y est. Oh. Oh, il l'a pas trouvé drôle. Fine, on fera plus de blagues. Oh. <laughs> Il est ambitieux, ça est, ça peut être un bon trait. Bah, ben, c'est un bon trait. Puis ça, j'ai des philosophies sur l'ambition. Il y a du monde qui se disent être ambitieux. Être ambitieux, c'est vouloir aller plus loin euh, avec des promotions dans une entreprise à de même avoir le plus d'argent possible, c'est ça l'ambition. Moi, ambition je ne le vois pas tout à fait comme ça. Comme moi, j'ai de l'ambition dans la vie, j'ai beaucoup d'ambition. Mais mon ambition, c'est le bonheur. C'est tout ce que je veux dans la vie. Si ça me prend de l'argent pour le bonheur, je vais aller pour de l'argent. Si ça me prend une voiture, ben, je vais aller pour une voiture. Mais si je, fais, je vais chercher ce qui me rend heureux. C'est ça mon ambition, puis c'est quelque chose qui est primordial dans ma vie, le bonheur, that's that euh, Je me fous de, de, de l'argent, cette affaire-là. C'est sûr, j'aimerais avoir de l'argent, ça, ça n'est pas euh, au bonheur, mais... Mon but primaire est le bonheur. De là, j'essaie de déterminer ce qui me rend heureux, puis de chercher ces choses-là. Il y a trop de monde qui vise l'argent, 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 puis au bout du compte, l'argent... Vous visez ça parce que. Euh, vous voulez être heureux. C'est heureux que vous voulez. Hey! Pourquoi ça switch? Se... J'ai ça quand ça change même. Ok, on n'a plus de bord rouge. Euh, juste peux sur pause. J'ai appris d'autres traits de caractère. Ah, elle est vraiment fatigué. il va falloir que je la fasse rentrer. On va continuer jusqu'à temps que. Non, c'est pas là, c'est ici. Euh, Yuk Freddy Krueger. Ambitieux, actif, ok. Il manque un trait qu'on connaît pas, mais à date ces deux traits là, pas de problème avec ça. Bon, je sais pas t'es qui toi, mais ça a l'air on, on est rendu des amis. C'est qui ça? Leslie Hampton, une jeune adulte. Amical, euh, on va continuer amical, ça s'en vient. Ambitieux, euh, méchant. Ah oh, man, toute petite attente là. Toi? Hugo Dubois. Hugo, on va faire connaissance. Il danse mal, mais ça, il danse tout mal. Laisse faire Freddy Krueger, là. Il est méchant. Surprise, surprise, surprise. Freddy Krueger est méchant. On prend le... Hey, ça me donne quasiment à la billet de choc en Freddy Krueger. Avec un chapeau semblable, c'est un. puis ne s'appelle. Ok. Tu vas parler à lui. Ou au moins, faire connaissance, qu'on puisse l'inviter au pire à la maison. Je veux dire, je peux pas toutes les poignées, hey, Il fait deux machins que je poigne. Voyons, arrête de bouger. Tiens, on va lui donner un coup d'arche. <laughs> Ils s'entendent bien. On a-tu des, des, des traits, de lui, là Et... ah. C'est lui, c'est Hugo, c'est ça aucun. Ah. De bien, en tout cas? Il va falloir qu'il aille se coucher. Conversation profonde, on va sûrement apprendre quelque chose de lui. Es tu peux revenir Hugo? Créatif, parfait, lui, elle aussi. Wow! Ok. C'est étrange. Il fait des affaires étranges, des fois, ce jeu-là. Shibari Sering? Come on, réponds-y, elle t'a posé une question. là. Sering? Un petit autre trait, donc. Perfectionniste, créatif, à date, c pas trop pire. Il est pas méchant. Ça va être lui, le père de mes petits-enfants. Gourmand. Je suis pas à fin du monde, ça. Je peux vivre avec ça. Ok. Euh, pas mal fatigué, mais on peut continuer. Tu vas commencer à, à draguer. Puis oublie lui et oublie Freddy Krueger. Ninja, ninja, ninja. Elle aime les ninjas. T'aimes-tu les ninjas? Lui, il pense à de la bouffe, il est gourmand. <laughs> Je suis vraiment fatigué. On va finir ça. Mais là, c'est ça. Un mec qu'on la marie avec lui. Est-ce que je vois. un jeu. Je sais pas si je peux les faire emménager dans un foyer. Je sais pas comment ça marche. On va essayer de leur donner le propre foyer, qui établissent le propre famille. Ooh, oh, girl. Du, 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 du. <laughs> dag dag. Bon, ben, on va à la maison. On va aller reposer cette chère petite harmonie. Hein? Comment, Harmonie? Va en à la maison. Ah, ça pique. Les oreilles me chatouillent. Pique, 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 pique. <laughs> faudrait pas que j'enregistre trop souvent, tard le soir, parce que je. Il y a tellement de stupidités qui sortent de ma bouche. Ben, je me dis, il aime il ça, le bon, que je dise des stupidités? Si oui, ben pas de problème. Si vous aimez ça que je dise des stupidités, ben, je peux en dire en quantité industrielle, ce cerveau-là, il est plein de stupidités. <laughs> vous vous m'ouvrez la tête, là vous allez voir, c'est juste du stupide. C'est ridicule. C'est stupide quand même qu'il y a de la stupidité. OK. Harmonie votre coucher. Ah, euh, C'est lui ton Non, c'est lui ton lit. Non, celle-là. On va dormir dans celle-là. Dans ton lit à toi. Katrina est vraiment fatiguée. Elle va te coucher. Chuck. Oh, il a vraiment envie de pipi. Et <laughs> toi, Josie Fruit, ça va <laughs> Avec sa moustache. Il est tellement beau. Il est beau comme un cœur. Juicy Fruit, elle, elle a pète le feu. Joseph Fruit is gonna move Yeah je euh, J'ai rien à faire avec elle. On va s'occuper de Chuck. Chuck, il a faim, il a besoin de divertissement. Il a besoin d'énergie. waouh il a besoin de beaucoup de choses, hein? Bon, mais ben Chuck, avant d'aller coucher, tu vas ouvrir ça. Tu vas prendre une portion de ça. Finis même pas à se laver, même pas besoin. Puis après ça, tu vas aller écouter à la télé en mangeant ton chat. Tu travailles tout demain, Chuck? Travaille dans deux jours. Bon, c'est pas grave si tu te couches un peu plus tard. Si tu fais... Pourquoi il vous mange pas? Ah, l'as-tu pris la dernière? Ah non, ok, il en reste. Euh... On va faire du zapping. Come on, Chuck. Ça va te divertir en même temps. Au pied ton endormi sur le cas, je suis pas la fin du monde. Sur le divan. Euh, Tout est vraiment shape. Ah, es, c'est la fin de semaine, t'as pas de cours. OK, OK, génial. Tu dois la faire laver, tu, la tu peux nettoyer, réparer. Non. Euh, elle, c'est quoi ses aspirations? Elle a besoin de finir de lire trois livres, atteindre le niveau de compétence logique. On pourrait y faire un livre sur la logique. Ce qu'on va faire, acheter des livres, compétence logique. C'était les livres rouges, je crois, comme ça ici. OK. Puis là, tu vas aller dans ton inventaire. Puis tu vas lire ça. Qu'est-ce qu'il y a, Chuck? Ça va? Ça va, mon gars? C'est quoi, tu regardes? Ah, ça a l'air bon. Une maison en feu. Les pompiers qui courent. Le back-draft! <truits> Mon c'est pas cute. Harmonie, elle a encore son... ses devoirs de... qu'un ou au primaire. Euh... Chuck, t'es fatigué? Ton divertissement a remonté. Ok, on va aller te faire faire de... Bah bon, elle est assis... Qu'est-ce que tu fais là, Juicy fruit. Faudrait que tu te lèves, la garde. Chuck est... Qu'il s'est couché. Il peut-tu se coucher? Elle va-tu se tasser? On va voir ce qui va arriver. Oh, oh ouais. Katrina, okay. elle se lève puis... Euh, on Chuck, prends la place de toi, <tousse> Katrina. Ok. Ils vont se relayer sur ce bord-là du lit. Pourquoi tu t'es Katrina? Ok. Bon, on va faire un pipi. Puis euh, tu vas faire à manger, je crois. C'est ça n'auras pas le choix. Cuisiner. Cuisiner de la bonne bouffe. Quelle débilité puis tiens faisant amplement. Là. On est quatre qui vit ça. Je pense que. Hmm. Non. J'ai rien dit. Oubliez. Oubliez-moi. Je n'ai rien dit. Ouais. J'ai dit quelque chose. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Travaille dans deux jours, il faudrait qu'elle joue un instrument. Mais en premier, tu vas faire à manger. Ah, c'est ch Chuck le cook. Ah, oui, il, il est couché. Hein. Tu vas te pratiquer. Il faudrait avoir deux coups ici. Fait que, euh, Katrina, on oh la en cuisine. Va te pratiquer. toi Harmonie. Euh. Ça compte-tu pour un livre? T'as toujours terminé. Faire le devoir. Compétence logique. Qu'est-ce que ça a là, la logique? Euh, si. Ça la monte tranquillement. Tranquillement. Ça, je peux-tu faire. Euh, rien faire avec ça bon on va y laisser continuer bon ça fait mal attention katrina la harmonie 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 tu sens pas pire fort il était vraiment fatigué faut vraiment we need to seal the deal comme qu'ils disent euh, Katrina est partie où? Elle est juste assise sur le lit. Katrina, j'aimerais que tu serres ça, s'il vous plaît. Je voudrais que tu nettoies ça aussi. Euh, Harmonie, tu vas te lever. Tu vas prendre une portion. Tu vas te lever tout de suite. faut qu'on clôt l'entente avec ce cher Hugo. Je suppose ce qu'il vit, Hugo. On va lui créer une maison s'il faut. Je vais trouver une manière, mais je veux, je veux, je veux qu'elle reste dans le jeu, bien entendu. Oh, il grouille tout le bain. Miam, miam, miam. C'est bon, bon, bon. Allez, hey, Katrina, on va faire du ménage. Ok, tu vas serrer ça. Génial. Tu vas nettoyer les assiettes. Génial. Bon, elle a fini de manger. Parfait. Tu vas prendre ton téléphone. Tu vas inviter ici Hugo Dubois. Ça vient-tu, cet Hugo-là? Viens, t'as Hugo mon beau, beau Hugo. Mmh. Maman, tu ne pas aller t'habiller. J'ai un ami qui s'en vient à la maison. <laughs> Catherine, on est gênés, Catherine elle n'est pas gênée, cette Catherine-là. Elle vite la rentrée. Il est est en robe de chambre, on va voir tout ça. Avec tes beaux bas bleus. Euh. Fais connaissance. <laughs> Ignore ma maman. Essaye de l'ignorer. Je sais que tu es un homme, c'est dur, là, mais. Non, lui, ça... non, 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 tu t'es un matérialiste, t'es un loser. Il veut parler, non, c'est Hugo Il est intéressé Hugo. Ah, ah, la petite barose commence à monter. Pas de problème. Je veux dire, qui peut résister à Harmonie? Viens, 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 mon beau. viens, 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 Ça sort ensemble. Il était. Il était, Hugo. Il était. Elle continue à flirter. J'avais dit hein? flirter. Il rit comme Chuck. Bon, ouais. c'est le bon. C'est le bon. C'est ça. J'aime pas son look un peu. Il y a de l'air un peu fétiche, un peu chétif, euh, fétiche. Pas prends la chose pour tout, hein. C'est chétif, mais... c'est pas grave. Euh... pas moi. Ah oui, c'est ça, moi. Draguey. Oh. Vadish! vas oui, toi! C'est ce a dit. Ouh! <laughs> Je... Ah, il me fait pas triper, le gars. Il a pas les épaules larges. Je me sens, il il n'est pas fait de solide, hein. Il est bâti sur un frame de chat, comme on dit par ici. Hein? Ah bon, il parle de lit. On doute à veille d'avoir notre premier baiser. On va faire une petite chose amicale encore. Uh, de euh, tiens, blottis-toi contre lui, il va aimer ça. Fomme ah. tes jambes, là. ça une demoiselle, fais-nous pas honte. Tu ah. représentes la famille Cananoni. Ah. Ah. Il s'est pas fait prier, hein, le monsieur ah. mmh. Drague. Ah, ah, ah. Premier oh. baiser, et voilà. Harmony, c'est son première fois. Ah, Hugo Zou, Harmony Kanani embrasse tous les deux. Quelqu'un pour la première fois. Ah lui tout c'est sa première fois. Ah oh, c'est pas cute, il est vierge. Bon ben. On va te régler ça. On va on va vraiment. La technique de drague. Let's go, on serre la vis.

pas pourquoi ce que comment que tu viens à ce sujet là T'sais, je vais demander s'il va être mon petit ami fait que je vais parler d'avion non j'ai encore cette option là oh, on, on fait -tu un petit crac crac. non pas avant le mariage ou elle a vraiment envie Alors, on va se marier avant euh, euh, plus de choix euh, être désirable avec être désirable un mariage et vite en affaire. Puis je pense Oups, on va vider le mur de Netflix. Et voilà. Ça de grosses demande en mariage. Oups, désolé. Oh my god. Le me moi là, j'allais vomir. Bon. Là, je pense prenez le épisode, on va organiser une euh, cérémonie. Actuellement, euh, je fais des mariages shotgun qui appelle vite fait. On se casse pas la tête, d'une bang, on se marie, a même pas de prêtre. Mais là, je pense prochain épisode, on organise une euh, cérémonie, une réception dans notre maison pour célébrer le mariage d'Harmonie. Fait que ça va être tout pour cet épisode-ci. Si vous avez aimé le saint jean euh, si vous commentaires un commentaire, suggestion, euh, ne vous gênez pas. Euh, je vais commencer à prendre des suggestions pour des noms de, de petits-enfants. Ah non, c'est vrai, c'est pas moi qui vais choisir les noms des petits-enfants. J'aurai pas le contrôle là-dessus. Ah ben, je vous avez des suggestions donnez de n'importe quoi, commentaires, puis euh, abonnez-vous à ma chaîne. Bye.